Très chers compatriotes, sœurs togolaises et frères togolais, courageux, militants et glorieux martyrs, vivants et morts, chers amis du Togo, fraternel salut, paix et amour, mesdames, messieurs, j'entends une immense clameur qui monte des entrailles de notre patrie bien-aimée. J'entends le tambour des âmes de nos ancêtres qui nous protègent dans la lumière solaire. Sur le Togo se lève une aube nouvelle. Êtes-vous prêt à arracher notre victoire? Êtes-vous prêt à faire peuple ensemble sur les sentiers de la gloire? Êtes-vous prêt à construire un Togo nouveau, fraternel, fier pour l'émergence glorieuse du Togo hors de l'humanité? Alors, tous ensemble, en avant, en avant, en avant toujours pour les moissons de demain et les combats du futur. Reprenons avec force notre credo. Transition, constituante, refondation. Vive le Togo libre. Le 22 février 2020, vous avez magnifiquement répondu à l'appel de la patrie, lancé par le patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanoko Bodjoro, dans le recueillement et la prière. Nous nous sommes rendus aux urnes le 22 février 2020. Pour choisir le président de la République, la tête haute, en véritable guerrier pacifique. Sans ambiguïté aucune, les résultats réels sortis des urnes consacrèrent la tenance au sommet de l'État. Force, honneur et confiance. Des cris et des larmes de joie jaillirent de milliers de poitrines et de milliers d'yeux. Dieu nous en soit témoin. Ce fut un raz-de-marée. Une déferlante puissante et courageuse, un vote plébiscitaire qui consacra cette révolution électorale pacifique et libératrice. Ainsi, aurait dû être congédié ce clan de momies prévaricatrices qui, pendant plus d'un demi-siècle, régenta avec non-amour la vie du peuple togolais et le destin de la nation tout entière. Ce jour-là, vous avez été tous des héros, vous, l'écrasante majorité des Togolais. Vous avez choisi très courageusement un nouveau départ sous la conduite du candidat des pauvres, du candidat de la patrie et du candidat de l'espérance. Ce nouveau départ, résolu et déterminé, puise ses racines dans le décret divin des délivrants du Togo porté avec foi par le patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanoko Bodjoro, archevêque émérite et fondateur de la dynamique Monseigneur Bodjoro, DMK. Déjà, par son intégrité et grâce à la force de son caractère, il fonda les institutions de la 4e République au lendemain de la conférence nationale souveraine qui s'est tenue à Lomé du 8 juillet au 29 août 1991, il y a bientôt 30 ans. Gloire à Dieu sans fin pour notre patriarche, humble artisan d'un Togo libre. Il y a un an, le 22 février 2020 à 17 h, soit 1 heure après la fermeture des bureaux de vote, avec une augmentation de 20% du taux de participation, en écho à l'appel du patriarche de la nation à voter pour son candidat, les nouvelles qui nous parvenaient des coordonnateurs régionaux de la DMK confirmaient l'écrasante victoire du candidat du Saint-Esprit sur l'ensemble du territoire national. Les misérables combines de l'adversaire rappellent
les heures les plus sombres de l'histoire du continent africain. Jugez-en plutôt. Des centaines de milliers de bulletins prévotés en sa faveur. Expulsion des délégués, des candidats, de l'opposition, de certains bureaux de vote. Menaces et intimidations de toutes sortes. Rien n'a eu raison de la mobilisation exceptionnelle de l'électorat. Décidé à tourner une page funeste de l'histoire du Togo et se donner une nouvelle gouvernance. À 19h, comme une traînée de poudre, la nouvelle de la victoire de l'opposition républicaine se répandit dans le pays et à l'étranger, où la radio suisse Canal K, dans une émission spéciale, informait le monde de la bonne nouvelle. À 20h GMT, le communiqué numéro 1 de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, confirmait ce que nous savions déjà, la nette avance de la DMK. Quelques minutes plus tard, interruption de séance, comme dans un mauvais film de série B. Le solo pouvoir aux abois perdit son sang-froid. Le domicile du patriarche de la nation et le mien furent encerclés par la soldatesque. Le téléphone et Internet coupés. Cette stratégie de la peur grotesque et inefficace fut ainsi déployée pour empêcher la célébration de l'alternance, pour voler la plus belle victoire de l'ensemble du peuple togolais. Plus tard, le ministre de la Sécurité se justifia donc sur une radio dans un pitoyable numéro de cirque, sans convaincre que le déploiement de la soldatesse fut opéré en vue de la sécurisation du patriarche de la nation et moi-même pendant 15 jours de campagne. N'étions-nous pas privés de la dotation des éléments de protection et des moyens financiers tels que le prévoyait la loi électorale? Ainsi, une génération après la conférence nationale souveraine, l'histoire se répète avec la remise en cause du changement. Pourtant, la seule constante dans l'univers, pas la soldatesque. À l'instant de la conférence nationale souveraine, les forces Rutunga opèrent un coup de force de plus contre le choix souverain du peuple togolais. En effet, l'appareil répressif est parfaitement organisé et les trois surveillances ne se relâchent jamais dans un climat de suspicion et de terreur généralisée. Jamais ils ne nous feront taire. Vous m'entendez? J'ai dit jamais ils ne nous feront taire. Nonobstant ce coup de force, dans la journée du 23 février 2020, nous enregistrons plusieurs messages de félicitations et proclamions notre victoire à titre conservatoire pour préserver le sacrifice de tous les Togolais. C'est dans ce contexte que faisaient de partout les appels à la mobilisation du peuple, comme en témoignent les nombreux communiqués des partis politiques, de l'opposition et des organisations de la société civile pour préserver cette victoire historique. Votre chef ne vous décevra pas. Calme dans la tempête et prépare le redressement de demain. Courage, courage encore, courage toujours. Mes chers compatriotes, fils et filles de notre nation immortelle, le Togo bien-aimé, chers amis du Togo, levez-vous tous pour la grande résurrection nationale. En moins de 24 heures, le 23 février 2020, tard dans la nuit, dans une sinistre mascarade, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé de faux résultats provisoires de la présidentielle. Ces résultats apocryphes furent en fait une inversion des résultats réels issus des urnes en faveur du président sortant. La loi électorale fut bafouée grâce à la complicité sournoise des chefs de mission électorale soudoyés face aux appels à la raison des diplomates, de la conférence épiscopale du Togo, des partis politiques et des organisations de la société civile. À un décompte, bureau de vote par bureau de vote, le pouvoir sortant est resté sourd et muet. La place était trop bonne. Pire encore, il s'est donné le luxe de couvrir sa forfaiture électorale par de faux messages de félicitations de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne, diffusés à profusion sur Radio France Internationale RFI pour berner une population pas dupe. Le peuple togolais a compris. Personne n'a peur.
Après plusieurs mois d'enquête internationale, étayée de preuves irréfutables, le montage grotesque et éhonté a été dénoncé de façon magistrale par le député français Sébastien Nadeau, membre de la commission Affaires étrangères, qui interpella le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, et le chef de l'État, Emmanuel Macron, a tiré toutes les conséquences de ce coup d'État et a fait droit au peuple togolais en exigeant ici et maintenant le transfert pacifique du pouvoir au véritable gagnant, votre humble serviteur. Soulignons que la production de ces faux messages de félicitations, ainsi que le viol des sceaux de la République des pays victimes de cet abus, est passible du pénal dans la juridiction des pays concernés. Hormis la manifestation des personnes de troisième âge du 28 février 2020, violemment réprimée dans le sang et marquée par plusieurs arrestations, les mouvements de contestation dans l'ensemble du pays furent interdits, souvent étouffés sous prétexte de la pandémie du Covid-19. Que croyez-vous qu'il arriva alors? On voulut me faire taire par tous les moyens légaux et illégaux. D'abord, la méthode douce. Pour la reconnaissance de la victoire du sortant, on me fit à trois reprises des propositions alléchantes et pathétiques. Puis la méthode violente. Ainsi, le contentieux post-électoral fut criminalisé sur la base de motifs fallacieux. Mais ma propre vie n'a aucune importance. Elle est tout entière donnée à la patrie. Avec vous, par vous, et en vous, peuple souverain et maître de l'histoire. Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de sang et de larmes pour un simple scrutin présidentiel? Inclinons-nous devant les martyrs. Implorons la miséricorde de Dieu sur les victimes héroïques et sur les bourreaux aveuglés. Inclinons-nous ensemble à la mémoire de toutes les victimes. Un jour, leur nom seront en lettres d'or sur nos monuments. Gloire et honneur éternel à feu le colonel Toussaint Bitala Majulba, passé de vie à trépas par un assassinat odieux et crapuleux dans son bureau en la funeste nuit du 3 au 4 mai 2020. La Cour constitutionnelle est inféodée au régime. Elle est complice du parjure devant Dieu et devant le peuple togolais. Au terme de motivations improbables, les résultats officiels furent proclamés. Dans un salmigondi de chiffres où l'incohérent le disputait à l'improbable, chacun sait que le ridicule ne tue plus au Togo. L'histoire jugera. Rendons hommage à la résistance passive et courageuse de quelques hauts magistrats intègres qui n'ont pas voulu se prêter à ces manœuvres. Heureusement, la haute cour compte encore des esprits brillants, honnêtes et fiers. Dieu seul sait jusqu'à quand persistera chez nombre de victimes de cette cabale électorale le traumatisme de la violence d'État subie. J'ai une pensée triste et émue à chacune et à chacun de vous, voisines et voisins de quartier, anonymes sur l'ensemble du territoire national et ailleurs. Patriarche de la nation, patriote, collaborateur, parent, enfant et précieuse épouse pour le loutre du pays, par vous-même, pour que le Togo soit libéré des forces du non-amour. Le sacrifice de tous est agréé de Dieu. Les yeux de nos martyrs verront la glorieuse beauté de la libération nationale du Togo bénie et voulue par Dieu Tout-Puissant. Un jour, je les reverrai là-haut. Et grâce à Dieu, je pourrai les prendre dans mes bras et leur dire merci pour le sacrifice suprême. Indépendamment de la violence d'État, de gros moyens financiers furent déployés, tant au niveau local qu'international, pour tenter de faire accepter ce qui est une véritable palinodie qui rabaisse l'autorité de l'État et affaisse la crédibilité du pays sur tous les plans. Les recettes de l'État sont utilisés pour attiser et entretenir d'inutiles conflits entre les formations politiques de l'opposition,
à travers des manœuvres de diversion, attaques et contre-attaques, visant à faire oublier le coup d'État électoral. Hélas, le chemin de croix pour le peuple togolais n'est pas encore terminé. Honneur à notre belle jeunesse qui rêve d'un lendemain meilleur. Le moment est enfin arrivé et cela ne tient qu'à toi. La désinformation est une spécialité du pouvoir. Sous toutes les coutures et sous tous les cieux, elle est entretenue pour faire croire que tout est calme au Togo, afin d'endormir l'opinion internationale. C'est la gravité de la crise post-électorale actuelle. Au-delà de toutes ces manœuvres politiciennes, une chose est claire. M'entendez-vous, Fonia Singe depuis 2005 ne pèse pas plus de 15% de l'électorat lors de tous les scrutins électoraux auxquels il a pris part. Tout le reste est de la littérature, des contes pour enfants. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, debout et en avant toutes. La patrie n'attend pas. Debout, tous ensemble, sans peur, sans faiblesse, à la victoire finale. La double révolution électorale et citoyenne pacifique du 22 février 2020 n'est dirigée contre personne. Elle est l'expression du choix éclairé de la nation tout entière à ne plus ployer sous le joug de l'oppression, de la misère et de la déshumanisation. Demain, notre patrie aimée profitera enfin de son droit divin, de liberté, d'abondance et d'épanouissement. Cette belle victoire est l'expression la plus manifeste du réveil du peuple togolais, souverain, fier et libre, tétanisé depuis le meurtre du 13 janvier 1963 de Sylvanus Olympio et du Togo hors de l'humanité dans sa marche vers l'expansion et l'accomplissement. Cette belle victoire, c'est aussi le fruit des années de lutte de plusieurs générations d'hommes politiques qui se sont sacrifiés pour que ce moment de réconciliation et de communion advienne. Rendons grâce à nos martyrs, sans être exhaustifs, spécialement à Sylvanus Olympio, à Tchouché Aboubli, Marc Atilipé, Djobo Boukari, Djagba Laurent, Tahu Amourin, commandant Paul Comlan, colonel Toussaint Madjoulba, colonel Bataba, aux jeunes apprenants Douti Sinalengue et Anselme Sinandare, Étienne Yakani Mohamed, laveur de voiture, le jeune mécanicien Idrissou Moufidou, et à tous les anonymes morts pour la patrie. Désormais, éveille sur nous de là-haut. Nous sommes la relève. Et c'est pour eux qui ont fécondé la terre de nos aïeux de leur sang immaculé que cette victoire historique du 22 février 2020 a été emportée par notre peuple en reconnaissance. À jamais, à tout jamais, vive la liberté. Il n'est immortel que ce qui revêt du sceau de l'amour. Chacun de nos martyrs et par le don de soi a creusé devant les générations présentes et à venir l'unique chemin qui vaille, celui de l'amour qui libère, triomphe de tout et consacre l'éternité. Aujourd'hui, plus que jamais, les temps ont changé et le non-amour ne peut prospérer nulle part sur la terre. Le Togo ne peut échapper à cet ordre cosmique, en cette aube de l'ère du Verseau, qui entraînera davantage la fraternité et le primat du collectif sur les intérêts partisans. Que défend donc la DMK et tous les patriotes coalisés depuis 12 mois, l'intérêt collectif des Togolais, la priorité aux pauvres, aux vulnérables, aux faibles, aux malades, aux orphelins, aux personnes isolées, aux veuves, aux prisonniers, dignité et secours leur soient rendus. Hommage éternel soit rendu à chacun pour sa bravoure et son patriotisme. Une génération, après la conférence nationale souveraine, le peuple togolais, souverain, renaît soudainement. La terre ne ment pas. Demain, nous aurons besoin de tous les bras d'un pot d'abondante récolte donnée par notre terre. Les ennemis d'hier se pardonneront. Les barrières tomberont. Et le soleil resplendira sur un Togo uni et fort. Ouvriers, paysans, soldats, tous seront appelés à la grande œuvre de salut national.
Aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple bien-aimé doit sortir de l'orphelinat de l'humanité et de la sinistre prison à ciel ouvert. Bientôt, la sinistre dictature militaro-clanique ne sera plus qu'un mauvais cauchemar. Puissant d'aujourd'hui, écoutez-moi, la récréation est enfin terminée. Je vous le dis tout net, arrêtez ce sinistre carnaval où vous n'êtes que des fantoches en sursis. Après les États-Unis d'Amérique, les voix s'élèvent en France, cette France éternelle, pour réclamer le transfert pacifique du pouvoir afin de construire une véritable démocratie pour l'épanouissement du peuple togolais. Nous travaillons ardemment dans cette perspective et je puis vous assurer qu'une synergie des dynamiques endogènes et exogènes rassemblant de hautes personnalités étrangères comme Selou Daniel Diallo, Martin Fayoulou, Sébastien Nadeau se met en place et va se renforcer pour porter davantage notre noble combat de libération et d'épanouissement des peuples pour la construction d'un monde meilleur. Je m'engage plus que jamais à une gouvernance éthique et vertueuse, structurée par le triptyque transition, constituante, refondation de l'État togolais. Aujourd'hui, j'appelle toutes les composantes de notre belle nation togolaise, responsables religieux, responsables politiques, responsables de la société civile, responsables de la jeunesse togolaise, force vive, diaspora, fédérons nos énergies dans un élan patriotique salvateur. Oublions nos considérations partisanes d'hier et courons défendre avec joie notre patrie en danger. Ainsi, nous gagnerons le transfert pacifique du pouvoir. Demain, nous voulons une société de pardon, de paix, de justice et de prospérité partagée pour tous et avec tous. Merci d'avance. Merci encore. Merci à tous, à tout jamais. Et que triomphe uniquement et seulement l'amour. La nuit est longue, mais le jour est arrivé. Ce qui s'en vient est merveilleux. Et sont tous dans l'action de grâce à Dieu. Gloire, honneur et salut à tout bien aimé. Dieu bénisse le Togo et tous ses enfants, notre Afrique et notre humanité entière. Tous debout, en avant, à la victoire finale. Vive la République, vive le Togo.